مستقيم الصلاة الذين أنفعوا من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا أين المغضوب عليهم والضالين. صلاة على النبي. اللهم صل على ترجم إن شاء الله نقولها بالعربي أن تكون هذه الزيارة زيارة مباركة وزيارة خير وزيارة كذلك يعني تعاون مثمر مستقبلي مع المجموعة وأعيان يعني قبيلة الليبو في دكار وفي السنغال. نحن مغنيان يالا تي زيارة مريف تي أكداجي مغنيان ديب تي نحن مغنيان يالا مدون بو خميني بو يالا نانغولا بو طيب ولا بو مبارك نحن مغنيان يالا مدون بو باني دون مي باني يمسي مدون لو خمين دي كونتيني تي ديجن تي موم أك وا كويت أك ويب يب 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 Mohamed Fadal Khalaf, l'ambassadeur du Koweït. Et je suis venu avec mes collaborateurs, M. Abdelaziz Aoumi et M. Fahed Ben Youssef. Oui, c'est vraiment, j'ai considéré que cette visite est impérieuse et une visite de courtoisie obligatoire pour un ambassadeur qui vient de présenter ses lettres de créance à son Excellence le Président de la République et de consolider les relations amicales, cordiales avec la communauté Libou de Dakar. J'ai servi en Afrique du Nord, mais c'est la première fois que je suis dans le continent. Ça a bien commencé, alhamdoulilah, parce que dans un temps record, j'ai eu l'honneur d'accompagner Son Excellence le Président de la République au Koweït après la présentation de mes lettres de créance. Je l'ai accompagné en étant ambassadeur du Koweït au Sénégal et aussi comme chef de la mission honorifique. Dans ces deux qualités, j'ai pu avoir des contacts journaliers et quotidiens avec Son Excellence et on a tracé ensemble une carte de route pour la coopération entre nos deux pays. Voilà, donc nous avons parlé des choses, Son Excellence il a connu le Koweït, il a visité le Koweït en tant que envoyé spécial de Son Excellence le Président de la République, M. Abdou Diouf. Et il était ministre pendant une période de temps. Il a aussi été ministre de sport pendant des années. Il a été au Koweït pour les Jeux de sport islamiques. Et donc, c'est le grand Cyrine de Dakar, c'est un grand connaisseur de Koweït. Mais aussi, on a touché à des problèmes vraiment vitaux, qui sont la pêche, l'éducation, l'introduction de la langue arabe, en concordance avec ce que M. le Président avait prononcé devant la conférence des ambassadeurs sénégalais à Dakar. Et nous avons touché aussi à des problèmes techniques concernant l'FM, l'enseignement de la langue arabe, et aussi l'agriculture. Hein, surtout l'agriculture, les serres, tous les moyens qui peuvent améliorer la vie rurale. Et on a parlé aussi des 14 000 pêcheurs qui ont des pirogues ici pour les équiper avec des équipements qui sont convenables et qui peuvent aussi développer la pêche et en même temps améliorer la vie
de la communauté. Donc ça c'est le tour d'horizon qu'on avait discuté. Et puis on n'oublie pas aussi l'agrandissement de la grande mosquée. Et équiper quelques mosquées aussi de Dakar avec des sonorisations adéquates. Et on a parlé aussi des écoles coraniques, les Darat, pour introduire aussi un enseignement moderne aux Darat, parce que, à mon avis, l'islam modéré du Sénégal est un exemple à suivre dans d'autres pays musulmans et arabes. Merci. Oui, mais son Excellence Mohamed Khalaf a bien rendu l'essence de nos échanges, et c'est un grand honneur pour la collectivité Lébou du Sénégal de le recevoir ici. Sa démarche va dans le sens de la consolidation des relations entre l'État du Sénégal et le Koweït. Il l'a bien dit, la démarche du président de la République Macky Sall a trouvé un écho favorable à son niveau, doivent relayer et aider à l'application de cette politique. Quand le président de la République parle de la modernisation des Dara, ceux qui doivent conduire cette politique, ce sont les populations à la base, parce que les Dara ne sont pas une institution à l'instar des écoles primaires et des collèges. Donc, dans la réflexion que nous menons ensemble pour enrichir les problèmes politiques du pays, l'ambassadeur du Koweït a bien compris le message du chef de l'État qu'il a accompagné, comme il vous l'a dit, à l'occasion de sa visite officielle au Koweït, qu'il a entendu à l'occasion de son discours devant les ambassadeurs du Sénégal à la Tour King Fahd, et beaucoup d'échanges qu'il a eu avec le chef de l'État. Notre mission à nous, c'est également, dans le cadre de la coopération décentralisée, d'affiner certains axes de la politique du gouvernement. Et c'est ainsi que le Koweït, connu pour sa grande disponibilité à financer le développement économique de nos pays, nous savons depuis très longtemps que le Koweït a injecté des centaines, voire des milliers de milliards dans les infrastructures routières, dans les infrastructures de base, les équipements sociaux de base, l'adduction d'eau en milieu rural, les problèmes de santé, de la formation, et aujourd'hui, le Koweït reste sur cette lancée. Là même, vous devez vous rappeler que l'agrandissement de l'autoroute jusqu'à Djamnyadio devait être financé au milieu des années 80 par le Koweït. Donc le Koweït reste sur cette tradition de coopération désintéressée à des conditions douces avec des prêts concessionnels supportables par le service de la dette du Sénégal. Donc tout ceci mis ensemble, nous avons avec des membres de la collectivité Lébou qui sont des experts dans leur domaine respectif échangé et rester justement disponible à voir comment être les points d'application de ces politiques. Il l'a dit, en matière de formation religieuse, le Koweït est un exemple pour la coopération. Les étudiants qu'on y trouve, les conditions qui sont offertes à nos étudiants. Et nous voulons que sur place, puisque le plus grand nombre est ici, voir avec le Koweït, en prenant comme exemple ou comme test Dakar, les Dara dans les communes d'arrondissement, dans la ville de Dakar, comment relayer la politique de l'État. Et je lui ai suggéré même de voir, en application de la politique du président, la possibilité d'introduire dans l'enseignement à distance de l'École nationale d'administration et de magistrature des cours de langue, créer sur la suggestion de Pape Ndoye des centres culturels avec des centres d'enseignement rapide par ce qu'on appelle le phénomène de l'immersion, pour que nous apprenions ou que nous perfectionnions notre arabe. Voilà un peu en résumé, nous avons beaucoup reçu de l'ambassadeur comme suggestion, et cette disponibilité est à saluer, et nous nous engageons véritablement à les accompagner dans la mesure où la collectivité Lébou, comme les autres collectivités du Sénégal, ont des propositions à faire pour aider à l'application des politiques du gouvernement. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut que dans ce pays, nous acceptions de faire une pause sociale. Une pause sociale pour nous permettre véritablement d'aller, non pas vers le développement, mais sortir quand même de ce développement. Parce qu'avant d'aller vers le développement, il faut sortir de ce développement. Sortir de ce développement veut dire avoir des hommes et des femmes bien formés, bien éduqués. Et
tous les retards aujourd'hui dans ce monde qui s'accélère sont irrattrapables. Chaque année perdue, c'est des dizaines d'années pour l'économie, pour le développement social et financier du Sénégal. Donc moi je pense que si nous nous sommes dédiés à notre pays depuis le plus bas âge, si les syndicalistes se dédient à la cause des travailleurs, si les ministres se dédient à la cause du pays dans ses fonctions, nous devons trouver des plages de convergence pour trouver d'autres formes d'expression de nos revendications que les grèves et les sanctions à l'endroit des grévistes. Voilà moi ce que j'en pense pour avoir été, vous le savez, ministre de la fonction publique de la modernisation de l'État de 1998 à 2000. Et pendant cette période, tout le monde a constaté que je me suis battu pour qu'il n'y ait jamais de grève au Sénégal pendant cette période. Selon vous, quels sont les résultats concrets pour remédier à cette situation? Non, en fait, les résultats sont très simples. C'est des concessions à faire. Parce que si vous vous en tenez aux revendications qu'on appelle entre guillemets matérielles, c'est-à-dire liées au salaire, au paiement d'indemnités, au paiement des indemnités de vacances, le budget de l'État ne permet pas de payer d'un coup l'ensemble de ses arrières. Quelles concessions faut-il faire si l'État s'engage à les payer? C'est étaler, trouver une formule pour moratorier les remboursements sur un an, deux ans ou trois ans. Je crois que ça sont des concessions à faire. Et maintenant, voir du point de vue de l'organisation dans la fonction publique, du statut des enseignants, ce qu'on appelle les corps émergents, les contractuels, quelles solutions trouver et regarder un peu le problème de leur insertion. Ce sont des questions que j'ai eu à traiter en tant que ministre. Et je sais que ce sont les problèmes d'intégration, ça nous éloigne du sujet, mais c'est heureux que vous nous posiez la question parce que quand on a des partenaires comme le COWET disposés à aider, il ne faudrait pas que le fruit de la coopération soit véritablement perdu par des grèves dans les écoles. Ça décourage nos partenaires et ça développe l'angoisse chez les parents d'élèves. Oui. Moi, bon, j'ai pigé un petit peu du Wolof. Vous avez bien dit que peut-être j'ai omis ce problème d'éducation à distance. Oui, oui, exactement. Et je veux faire une confession. Mm-hmm. Moi, je suis aussi un fils de pêcheur, ouais. Un fils de marin, et je suis un vrai Lébou du Koweït. Merci.